peut-être un jour que le prédicateur Kwame Kwakujan peut vous donner une ovation.
Bau fras. Je crois bien que le temps vous a donné de vous racheter. Le temps vous a donné de vous racheter. Sinon, vos proches ou vos cinq connaissances auront à vous accuser. L'occasion se présente encore pour que chacun de nous, même si on a invité, mais qu'on reprenne la même activité cette année. Donc, je suis tenté de reprendre mon thème de l'an passé, un fidèle, un invité. Ça marche? Oui. Ça marche? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le message du jour se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Verset 7 au verset 13. Apocalypse 3, verset 7 au verset 13. Pour laisser le temps aux uns aux autres de préparer la lecture, je voudrais un rappel du message du principal. Je suis tenté de dire le 1er janvier au secteur du 31 décembre. Je voudrais rappeler quels sont ceux qui étaient là le 31 décembre. Et je peux qu'on vous interroge. Vous ne voulez même pas lever les bras. Qu'est-ce qui a été dit le 31 décembre? Oui, madame. Le 31 décembre, ce que le principal a dit, moi je reviens. Nous avons, il a beaucoup insisté sur l'amour du prochain. Il a demandé à ce que, en cette année 2017, là, nous nous aimons, nous nous unissons pour faire le travail que Dieu a remis entre les mains de son épouse. Nous soutenons l'épouse de Dieu dans cette œuvre pour que nous aussi nous puissions avoir la vie. Amen. Amen. C'est tout ce qu'il a dit. Je voudrais une deuxième intervention. Oui, le défenseur du conseil. Amen. Amen. Défenseur, le 31 décembre, ça a été la communauté de l'évangile Matthieu 2, verset 1 à 18. Les rois mages sont venus rendre visite au Seigneur Jésus-Christ qui vient de l'être. Et dans la publication, il a insisté que la Bible a été édifiée pour que nous, aujourd'hui, nous voyons ce qui est dedans et ne pas tomber dans les mêmes erreurs comme nos prédécesseurs, nos anciens. Parce que dans la Bible, ce qui est écrit, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ est né, ce ne sont pas les païens qui n'ont pas cru en lui. C'est réellement les chrétiens. Ceux qui disent qu'ils suivent Dieu, c'est ceux-là qui n'ont pas cru en lui et qui l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils l'ont guéri. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Si aujourd'hui la prophétesse a été choisie par Dieu et qu'elle nous parle et qu'elle nous dit qu'elle communique directement avec Dieu et les instructions que Dieu lui donne, c'est ça, elle nous transmet. C'est les mêmes chrétiens, les pasteurs, les évêques, tous ceux-là
qui n'ont toujours pas cru et qui n'arrêtent de mentir. Si on dit le Seigneur Jésus-Christ est descendu, c'est les mêmes chrétiens qui ont toujours refusé. Alors nous, parce que quand nous avons venu, acclamez pour lui. Vous savez pourquoi? Non. Tellement il retient, mais il n'a pas oublié le message du médecin. Vous comprenez? C'est le message du 24 mai. C'est-à-dire il y a deux semaines de cela, mais il a retenu. Je vous encourage. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes prêts, nous allons avancer dans la lecture. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13. Le message adressé à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable. Celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole. Et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs, qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'enjouer devant toi pour t'honorer. Et les connaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne la couronne de victoire. De celui qui aura apporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par Dieu. J'écrirai aussi sur lui mon nouveau nom. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Philadelphie à son nuit. Il y a un dégât, un cloqué, à quel moment Philadelphie à son nom y enseignait. Bon, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Bon, David l'a pris pour sa nuit. Bon, il n'y a pas sans pratiquer mal. Il y a ce qui est sans pratiquer mal. C'est que yo. Nsi amunyole dikenga angle yoni bodika sange onisonga amo fami deso amo afia no manso isati matike anwa mamu ngo manso isati matike anwa mamu safi kulanyima Anya, ma satan imine atofwe obito me osweke me bizwimu biwa koto amoko ye bisike nkulamu afande nga bo nkangamuke anka mwamulesu o
ke sake kreto me umwanzu sampla bisa naledi nkuzu nsasamu mba ikrai dikebo au amusano antre kebi na sabe wafali nga mfani wa mbono sango kurai mfeyo inyamiswa ikwa tremu besu katime mkremi inyamie idu mai ane inyamie ingo jesuza lemu ufle kofi inu yamie sulo sugra idu mai ane bobo nuluma ufle inu sango tipati bawo kete la jemi wawai kakri asonumu. Amen. Laquelle la porte Jean a été déportée parce qu'il prêchait la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est sur cette île que le Seigneur Jésus-Christ lui a révélé tout ce qui est consigné dans les livres qu'on appelle l'Apocalypse, dont la prophète en est en train d'exécuter en ce moment. Merci. Et là,
le vase. Et donc, ils ont dit, mais quoi? C'est qui là? On connaît ton père, on connaît ta mère. Ton père s'appelle Marie, ton père s'appelle Joseph, ta mère s'appelle Marie. D'où est-ce que tu nous parles comme si tu étais Dieu en face? Ils l'ont taxé de tout le monde. Puis, on a dit qu'il était Belzébul en personne. Autrement dit, Satan en personne. On l'a attrapé, on l'a mis sur la croix et on l'a crucifié. Mais de vous à moi, est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Donc, Dieu s'est vu obligé de sortir du corps. Le corps incarné, crucifié sur la croix, a vu Dieu sortir de lui. Il a crié. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Bref. Il est revenu en vie et il a fait le travail qu'il fallait faire avec les siens. Les dignités du judaïsme ont dit ceci. Bien, on a tué celui qui se fait passer pour le Messie. Dans ses adeptes, ils ont commencé à massacrer les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qu'on a jeté par la fenêtre depuis l'étage pour qu'il meure. Il y en a encore, Jean précisément, sur qui on a versé une chose. Mais contre toute attente, il fut un miraculé. Et il est revenu en vie. Il a dit, mais lui là, s'il n'est pas mort, c'est qu'on ne doit plus chercher par là pour nous-mêmes. Ce qu'on doit faire, on le prend et puis on le dépose sur l'île de Patmos. Et il l'a attrapé. Il l'a envoyé sur l'île de Patmos. Où il a passé 4 ans. Et c'est là, Dieu a donné rendez-vous à Jean. Si je résume, je peux dire ceci. Toutes les souffrances de Jean étaient un chemin, un tremplin pour l'envoyer sur l'île de Patmos afin de lui révéler tout ce qui est consigné dans la. Je ne vais pas là-bas. Sur cette île, Jean a vu tout ce qui devrait arriver à la fin du monde. Du moins, une grande partie. Parce qu'il y en a qui ont été modés. Et donc, c'est la prophétie de Jean. C'est une partie de la prophétie de Jean. Ça va? Oui. Ça va? Oui. C'est pourquoi j'ai demandé qu'est-ce que c'est que Patmos. Et donc, ce que celle-là a dit et ce que mon frère a dit, les deux sont vrais. Puisque lui, il a allé un peu plus en profondeur, il a détaillé. Elle a pris juste les raccourcis, comme je l'ai dit. C'est pas que c'est faux. Que Dieu vous bénisse. Amen.
devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Ce qui va arriver à la fin du monde, le Seigneur est en train de le rédiger à travers Jean. Quand il écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, vous devez comprendre qu'il n'y a pas Dieu ancien, il n'y a pas Dieu nouveau, il n'y a pas Dieu même dit l'église, mais c'est une façon de parler du Seigneur. Si tu habites avec David dans une cité, cela sous-entend que
les années du monde, ce peuple-là n'est rien. Merci beaucoup. Le peuple de Pâques est marginalisé. Du point de vue physique, on n'a rien. Le 1er janvier, avant-hier, quand on faisait vœu de nouvel an au chef de l'État, il y a les religieux qui sont passés. Vous avez entendu le nom de Pâques là-bas? Pourquoi? Regardez! Mais notre agrément, notre statut, on veut le numérer. On a écrit en bas de l'uniforme tout ce qu'il faut ajouter, on a ajouté. Mais jusqu'à présent, ça y est, encore là. Ça fait 2 ans. Plus de 2 ans. Voilà. Mais imaginez, étant soit peu, si c'était une communauté que, suivez mon regard, hein, en une semaine, c'est déjà signé. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas regarder et puis valider notre partenaire? Ils se sont dit, bon, si on s'est trompé, et puis on t'a délivré l'agrément de statut, prenez ça comme ça. Mais nous, on ne peut pas évoluer à votre prix. Parce qu'on est insignifiant. Du point de vue physique, bien sûr. Mais si vous voici. Le
balancer vos poids. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand vous n'avez pas aimé ce nom, le Dieu de Naomi, malgré que vous êtes un petit peu, il dit, je suis devant toi. Tout le monde sait que
dit intelligent. Et Dieu. Suivez. Si aujourd'hui, Dieu descendait en Israël. Dieu, merci. Parce que tu es descendu chez nous, c'est facile. Les choses importantes. Il prend ceux qui n'ont pas de connaissance.
prophète. Amen. Yeah.
est sauvée là. Cette âme là est rendue. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
Le Seigneur Jésus-Christ était ici. Et il a dit que spirituellement, il y a une sorte de corde qui prend pour lier les reins de tout le monde. Ses enfants, de ses enfants, merci. C'est que tu as bien suivi ce jour-là. Que tu peux partir. Quand tu ne coupes pas la corde là, tu reviens. Il a dit quoi ici? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. On te marque du sang de l'agneau. On met la Patmos partout. Et puis tu restes dans le temple. Même si tu vas aux États-Unis, tu es dans le temple. Spirituellement parlant. Ce faisant, tu deviens invulnérable à tout point de vue, puisque ce signe est sur toi. Quand Satan voit, il fuit. Les étrangers, c'est pourquoi nous, on ne chasse pas de moi ici. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc, le nom du Dieu de Naomi est inscrit sur le front de chacun de nous. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, à mes propres, sont frappés de cette marque. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu et mon nouveau nom. Les femmes, il y a une chanson qui dit que mon douleur est venu grave. Patmos en lui. Chantez-moi ça, s'il vous plaît. Le peuple de Patmos est au ciel et Dieu n'a fait descendre sur la terre. Ok. Suivez. Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Je crée sur lui le nom de mon Dieu, c'est-à-dire le nom du Dieu de Naomi. Au bord de la mer de Sandra Jésus.
c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai. Ok. J'avais mis en sa main quelques chandeliers. Je viens lui d'envoyer sur la terre ferme à mes églises. C'est ici, j'avais mis en sa main les 7 étoiles. Le Seigneur dit beaucoup de choses. Il a même ajouté. Naomi, j'ai écrit qu'une épée sortait de ma bouche. Non, ce n'était pas une épée. Ma robe, qui resplendissait, qui scintillait, était telle que j'ai appris voir une épée qui sortait de ma bouche. Tu peux pas savoir que le nom de Naomi là procure la bénédiction, la joie, la vie éternelle. Tu peux pas savoir.
Vous souvenez de sa phrase? Tout récemment,
Les gens parlaient encore de la fin du monde. On parlait de, tu vois, les bases du Maya ou quoi. C'est ça. Avant même que la tâche indiquée n'arrive, Dieu merci, physiquement Dieu était avec nous. Il nous a dit, moi le monde que moi Dieu j'ai créé là, ça ne va pas finir. On a parlé du 25 ou 26. 21 décembre. 21 décembre. Merci. Il dit, moi, mon monde-là ne finira pas le 21 décembre. Que c'est moi Dieu qui ai créé. C'est moi ce que tu connais le jour. C'est ça l'appel de Dieu qui parle. Il ne suffit pas de t'attendre. Demande ça. Dieu, fais de veiller de prière. Au point d'avoir une céphalée. Thank you.